Donc c'est parti. Ah bah oui, là normalement il y a un peu de son que vous devriez entendre. Un son qui nous est un peu familier, hein, le bruit un peu du grésillement, le grésillement des néons quoi. Alors, vous entendez les néons? Ah attendez, faut que je me mette en clavier anglais évidemment. Et oui, c'est parti. Déjà, moi j'ai envie d'aller voir ce qui se passe derrière comme ça là. Alors là, c'est écrit Exit 8, c'est le nom du jeu. J'imagine qu'il faut suivre ce symbole. Mais j'ai envie d'aller voir d'abord ce qui se passe par là. C'est un métro ou une salle de bain. J'avoue que y a cette faïence de partout là, c'est un peu oppressant. Ah, il y a quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui est perdu comme moi. Alors qu'est-ce qui est écrit là? Nambu Park. Mizune Junior High School, Yonago Temple, Nairi Hira, je sais pas ce que c'est que ce beau. Ok. Donc ça, on dirait que ça se passe au Japon. Ou une piscine, oui, c'est vrai. Bonjour monsieur! Qu'est-ce qu'il a le monsieur là? Oui? Personne ne me parle? Monsieur, vous voulez pas me parler en fait? Ah! Oula, le petit flou là. Ok, il veut pas me parler. D'accord. Ah, là c'est écrit, gardez votre gauche. Mais moi j'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas. Hein. C'est vrai qu'il est tout le les gens sont toujours sur leur portable. On ne peut pas fumer ici. Franchement, les textures, elles sont trop bien faites, non? Regardez-moi ça, ces petits reflets là. Même le reflet dans le scotch, il est bien fait. Même les reflets du sol, ils sont bien faits. C'est ouf. Salut Oshi, bienvenue. Alors ça, je sais pas du tout ce qui est écrit. Ah, il y a des caméras de sécurité. Je peux pas ouvrir ces portes. D'accord. Ce jeu, c'est Exit 8. Ah bah attendez, je vais changer peut-être. Je vais changer la catégorie d'abord. Changeons la catégorie. Est-ce qu'on va le trouver? Ah oui, c'est bon. Voilà, la catégorie a été changée. Alors là, il y a des pubs. Des pubs pour du make-up art. Pour ça, je sais pas ce que c'est. Après, tout est en japonais, donc je suis pas bilingue japonais. C'est un peu infini, hein. On voit les cams au plafond là. Là, il y en a une. Je la vois. Merci beaucoup à Nico pour ton abonnement. Merci pour les 7 mois de soutien. Merci beaucoup. Ça a l'air un peu infini, non? Est-ce que je peux courir? Ah oui, je peux courir. J'ai le même panneau, no smoking. Ah oui, en fait, c'est une backroom en fait. C'est la même chose. Je cours hein, pour voir, mais il n'y a plus la personne qui était là avec son téléphone. Vous voyez, c'est pareil, hein. Bon. Eh ben, vous savez quoi, si c'est pareil, bah tant pis, on va continuer devant alors. Salut Papayou. Full découverte, oui. Je connais pas le principe, je connais rien. Ah! Ah, le monsieur, il est là. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut se parler ou pas? Ah non. Non, il veut juste passer, quoi. Et lui aussi, d'ailleurs, il va là-bas. De toute façon, il n'est pas très bavard. Donc je vais plutôt aller par là. Au début du jeu. Voilà, donc là j'arrive au début. Ah bah monsieur. Mais c'est le même? Monsieur? C'est le même? Ok, il y a un panneau no smoking. C'est les mêmes pubs? C'est encore les mêmes pubs. Monsieur, vous voulez pas qu'on discute? Vous avez l'air perdu comme moi là. Non, il veut pas discuter. Ok. Salut, salut monsieur. C'est vraiment genre, il y a personne quoi. Keep left. Vous savez quoi, on va obéir pour voir ce qui se passe.
On a encore le même panneau. Ça rend ouf. J'adore les jeux qui émulent la sensation d'aller travailler. C'est vraiment ça, hein, le désespoir d'aller travailler. Surtout dans un environnement comme ça. Pourquoi c'est toujours le même gars qu'on voit là? Est-ce que c'est toujours les mêmes trucs qu'on voit ou pas? Tout à l'heure, il attendait avec son téléphone et là, il attend plus. Keep left. Ah, tout à l'heure, il n'y avait pas ça là. Ah, attendez, il y a un truc à traduire. Ne regardez pas trop de manière trop prononcée les anomalies. Toute anomalie. Ah bon? Si vous trouvez des anomalies, retournez-vous immédiatement. Si vous ne trouvez pas d'anomalie, ne vous retournez pas. Et sortez par la sortie 8. Quoi? Don't overlook any anomalies. Bah si, c'est ça, ne regardez pas beaucoup, ne regardez pas trop. Ah, overlooks, c'est plus ne pas négliger. Ah, d'accord. Ne négligez pas les anomalies. Si vous trouvez des anomalies, faites demi-tour. Ok. Mais les anomalies, comment ça, les anomalies? En tout cas, ce panneau-là, il n'était pas là tout à l'heure. Je suis en train de me dire que là, le plafond, il n'était pas comme ça, non? Si, il était comme ça? Ah oui, si. Ne négligez pas, ok. Bon, bah, il y a toujours le monsieur. Est-ce que lui, c'est une anomalie ou pas? Est-ce qu'il a une anomalie sur lui? Ou peut-être c'est dans les pubs? Je regarde s'il n'a pas une anomalie. Bah non, c'est un monsieur qui travaille, hein. Ok. C'est étrange. Franchement, j'aime trop le concept. Je comprends rien et je débarque et c'est trop bien. J'aime trop. Ok. Ah bah là il n'y a plus de panneau, non? Oh, il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas. Oh, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Bah ça c'est une anomalie, hein. Ah bah oui, ça c'est clair. Oh! Ah! Ah d'accord. Ah d'accord. Ah, je l'ai trop regardé, c'est ça? J'aurais dû faire genre comme ça? J'aurais dû faire ça? On va essayer, on va essayer. Faites demi-tour. Ok. Ah, mais après, vous savez, moi, il y a un guide, mais j'ai envie de faire aussi l'inverse pour savoir ce qui va se passer, hein. Et je vais voir aussi si qu'est-ce qui se passe si je le regarde pas. C'est ça une anomalie, on va foncer dedans. Et moi j'aime trop faire ça. Attendez, je vérifie. Ah, oh là, attendez, il y a une anomalie là. Je regarde pas. Vous voyez, je regarde pas. Est-ce que ça marche si je regarde pas ou pas? En fait, l'anomalie, c'est qu'il y avait que des panneaux du même truc. Mais c'est procédural en fait. Parce que tout à l'heure, c'était un gars dans un mur. Je vois pas pourquoi c'est une anomalie, mais j'habite Paris. Alors, bah là c'est ok. Vous voyez, j'ai pas regardé, ça a marché peut-être. Je sais pas si ça a vraiment marché, mais on aurait dit, hein. Putain, c'est un peu flippant en vrai. En vrai, c'est cosy horreur, non? On m'a pas prévenu que ce jeu c'était un peu cosy horreur. Bon après les backrooms, c'est cosy horreur. Hein. Oh, c'est un labyrinthe le truc. Oh, il y a plusieurs portes là.
Non? Je peux pas ouvrir les portes. Je sais plus s'il y en avait une tout à l'heure. Oh, je suis... Oh, il est géant! Oh! Vous avez vu? Il est beaucoup trop grand pour sa taille de d'habitude. C'était ça l'anomalie, non? Sais pas si... Je pensais que c'était la porte en plus, mais ça se trouve c'était lui, hein. Après, ça se trouve, faut vraiment faire demi-tour quand on voit une anomalie. Ah voilà, là il a une taille normale. Enfin, je crois. Oui. Oui, il a une taille normale. La perspective. Oh là là, c'est tellement étrange comme jeu. Oui, le guide dit de revenir en arrière, mais si je reviens en arrière, je trouverai jamais la sortie. Oui, je vous rappelle que je suis HPI, bien sûr. Putain, mais quel enfer. Du coup, on voit plus jamais le gars qui est dans les carreaux. Mais what? Ah oui, il y a une anomalie au-dessus là, non? Il y a les néons qui sont chelous. Je regarde pas. On dirait, non? Les néons sont bizarres. Et là? Là, c'est OK. Comment ça, le PB? Ah, mais ça se trouve, c'est un espace étrange où il faut vraiment que je retourne en arrière, peut-être. Bon, là, y avait des gars chelous, non, qui m'attendaient. Il y avait des gars chelous. Je retourne en arrière. J'aime bien le haut. Les jumelles de Shining, mais en mode... En mode école de commerce, quoi. C'est gros lait. Ah, mais peut-être faut vraiment faire demi-tour quand on voit un truc, hein. C'est surtout là que ça se passe, j'ai l'impression. En mode salaryman, ouais, c'est ça, hein. Ah oui, j'ai complètement plus peur de deux gars en costume que le cosplay parce que le cosplay mûr, il se fondait un peu dans le truc. Oui, je me suis fait tuer par le cosplay mûr. Bah, y a rien là. Je ne vois rien de spécial, hein. Ah oui, ne spoilez pas par contre, s'il vous plaît, hein. Ne spoilez pas, ne backsitez pas. Ça change peut-être les panneaux là? Non. Mais il se passe rien là. Il se passe rien du tout. Ou alors il y a peut-être des choses que je vois pas moi. Peut-être le gars il avait une tête bizarre. Ah! Wow! C'est une anomalie ça. C'est une anomalie ça? Oui. Oui, c'est une anomalie, hein. Salut Cosmix. Ou un système électrique défaillant. Oui. J'en doute, mais oui. Oh, le panneau exit 8, il est... Oh non, il est blanc. Ah non, c'est OK, je crois. De l'autre côté, il doit être jaune. De l'autre côté, voilà, il est jaune. Est-ce que j'aurais... Pas dû retourner comme ça? Bah oui, parce que là je vais à l'envers là, donc c'est étrange, non? Putain, ça se trouve, je fais n'importe quoi là. Oh, vous savez quoi? Je vais retourner dans ce sens-là.
Je vais vite. Ah bon, faut pas aller vite. Attends, c'est flippant quand même. Hein. Oh, il a un truc, non? Oh, il souriait, je crois. Attendez. Ah oui, il souriait, putain. Il souriait, hein. Ok. Il était très très content d'aller travailler, ouais. Extrêmement content. Il sourit, c'est une anomalie. Ah bah c'est clair, parce que là, sourire alors que t'es dans cet environnement-là, c'est une sacrée anomalie quand même, hein. Alors, le mec qui sourit dans le métro, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre pour être vrai. Regardez, là, il sourit plus, hein. Bah ouais. Il a bien raison. À moins de beaucoup de chance, ça va durer 8 heures? What? Mais pourquoi? Vous êtes en train de me dire que j'ai rien compris là? Une anomalie, c'est un truc que t'as pas vu avant? Oui, j'ai l'impression. Mais c'est ça le but, hein. Le but, c'est si je vois une anomalie, je tourne. Je fais demi-tour direct. Ah bah oui, du coup, j'ai pas fait demi-tour direct. Donc ne négligez pas les anomalies. Si vous trouvez une anomalie, faites demi-tour immédiatement. Si vous ne trouvez pas d'anomalie, ne faites pas demi-tour pour sortir sur la sortie 8. Ok. À pas grand-chose près, je dirais que t'as rien pigé. Ah oh, putain. Si, c'est bon, j'ai compris. Salut Grizzly. Bienvenue. Si, c'est bon, j'ai capté, regardez. Cette fois-ci, on va faire gaffe à toutes les anomalies, peut-être. Mais pas trop longtemps, parce que si on les regarde trop longtemps, ils nous attaquent. Peut-être qu'il faut que je fasse vachement gaffe aux affiches, en fait, peut-être. Là, je vois rien de spécial, hein. Et les portes, d'ailleurs. Et les portes, elles, c'est toujours les mêmes, hein. Ok, tu l'as, j'ai mal compris. Non, mais c'est juste que j'hésitais à repartir en arrière à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Alors que oui, il faudrait. Ok, on va essayer de se bien se concentrer. Ça se trouve, c'est même une histoire de plafond, hein. On va bien se concentrer. Là, je suis un peu déconcentrée, hein, comme vous pouvez le voir. Le plafond, c'est toujours des lattes. Des lattes. Je me comprends. On va dire horizontal. Est-ce qu'il faut regarder en détail ce qui est écrit? Ça me saoule en fait de tout retenir. Là, il y a toujours le truc rouge allumé. Là, il y a une partie horizontale. Ah oui, en fait, ça change à chaque fois. Ok, c'est tout le temps horizontal. Ok. C'est tout le temps horizontal. Ah oui, ça se trouve, faut vraiment lire les pubs. Hein. Ok, ça, j'ai compris le principe des plafonds. Le sol, ok. Bon, bah, ok, on va lire, hein. Oh putain, l'enfer, quoi. Donc, la première, c'est une pub pour le dentiste. Ah, je peux pas tout apprendre, c'est horrible. Ok, Néo. C'est Matrix. Je finis le jeu à une vitesse insoupçonnée. Merde, je l'ai pas bien vu, lui. Il faut que je le voie aussi. Attendez, faut qu'on voit comment il est habillé. Là, il a pas de cravate. Il est un peu chauve. Il a pas de chaussettes, ce que j'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas les gens qui mettent pas des chaussettes. Il a une mallette et un téléphone. Il a une mallette dans quelle main? Merde. Ah oui, voilà, à chaque fois il s'arrête. Il a une mallette dans la main. Il a un téléphone dans la main gauche et une mallette dans la main droite. Il a des chaussettes invisibles. Donc là, il y a le no smoking. Exit 8, ok. Oh là là, faut tout retenir. C'est le jeu des 7 différences en fait. Oh, c'est méga chaud finalement. On pensait pas, mais. C'est beaucoup plus chaud que ce qu'on croyait. Hein.
Alors. Le dentiste. Après, il y a beaucoup de signes japonais, moi je pourrais pas ça. Il manque un truc de compréhension? Cra merde. Qu'est-ce que j'aurais pas pensé là? Bon bah dites-moi hein, sinon s'il manque un truc hein. Ah oh, ça me saoule de retenir tout ça, je vous jure que ça me saoule. Aucun effort, j'ai pas appris le japonais, oui. Ok. Il te manque la compréhension du japonais. Un truc qui indique ma progression. Ah bah oui, bah là j'avoue que je ne sais pas du tout où j'en suis, ouais. Oui, ça j'ai compris, Tigrou. Ah oui, si on se trompe, retour au niveau zéro. Mais comment je reconnais la salle, parfaite? C'est ça le truc. Le panneau. Oh là! Mais il me suit là! C'est bon. J'avais pas capté. Le panneau jaune s'incrémente si tu as eu bon. Quel panneau jaune? Quel est donc ce panneau jaune? Alors là, le monsieur, c'est ok. Ah oui, il avait pour projet de me péter la gueule, ouais, clairement. Là, t'es passé à 1 sur le jaune. Ah! Plus loin avant le couloir. Un grand panneau vertical où il y a écrit 0 avant d'arriver dans le couloir. Merde. Bon. Je le verrai après. Alors. Zui. Le Dog Saloon Zui. Ah putain, faut apprendre ça là. Make-up art. Zui. Ok. Les trois portes. Les deux grilles d'aération. Ah oui, ne dites rien, s'il vous plaît, ne dites rien d'autre maintenant, à partir de maintenant. Ah oui, là, le zéro. C'est ça, c'est le panneau vertical, zéro. Ah, donc là, je suis revenue à la... Ah, je suis revenue à la... Il y avait un problème alors que j'ai pas vu. C'est ça, si j'ai bien compris. Bon, on va voir. On va voir la suite. Maintenant, à partir de maintenant, ne dites plus rien. Alors, les deux trucs, ça, ok. Lui. Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, c'est ok, hein. Ah, ben ça, c'est la salle parfaite, je suis con. Ok, alors ça, la salle parfaite, on regarde bien. Je suis HPI, vous inquiétez pas. Alors, la clinique dentaire, 8 sur 8. Open. Et le reste, j'arriverai jamais à retenir. Ça, BLC Store. Ok. Le ZUI. Ça, on se rappelle. Open ZUI. Ça, bah, il n'y a aucun mot français ou anglais, donc je ne peux pas savoir. Mais c'est des gens qui ont l'air contents de faire plein de trucs. Make-up art. Ok. Avec un œil coloré en bas. Alors que tout est en noir et blanc. Le reste est en couleur. Move effet. Palipico, move effet. Ok. C'est quoi? C'est un concert. C'est un groupe. Ok. Il y a trois portes. Il y a deux grilles d'aération. Il y a... C'est la crème quantique. Il y a un panneau no smoking. Il y a combien de...
que je vais jusqu'à compter les néons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 néons. Il y a deux caméras. Bon, pour le moment, j'en reste ici pour le moment. Tu peux compter les carreaux. Ah voilà! 1, c'est écrit 1. Ok, trop bien. Ah oui, il faut aller jusqu'à 8, du coup. Ah mais oui, c'est ça, faut aller jusqu'à 8. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, je pense que les néons, ça compte pas, hein. Le panneau no smoking, il y a 3 portes et 2 grilles d'aération. 8 sur 8. Déjà, on va le regarder lui, s'il y a un problème. Peut-être faut commencer par le regarder lui, en fait, hein. Lui, c'est OK. 8 sur 8, BLC Store, Zui. Je sens que je vais dire 1000 fois Zui. Les gens contents. Le make-up art. Mauvais fait, palipico. Ça me semble normal. Il y a 2 grilles d'aération. Ça me semble OK, ici. Oui, c'est random, ouais. Ah oh, putain, je suis revenue au zéro. Oh! Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ok, donc ça c'est le zéro. Qu'est-ce que j'ai pas vu, sérieux? Vous avez vu, vous, ce qu'il y avait? Ne pas regarder l'écran? Ah ouais, ok. Ah non, sérieux, j'ai pas vu moi ce que c'était. Alors le gars. T'as regardé le chat au mauvais moment. Mais non, c'est pas possible. Incroyable. Ça fait 2 fois. Mais non, c'était flagrant. Mais what? Il y a vraiment un truc flagrant que j'ai pas vu? C'est abusé. Bon, ok. Je me concentre. Donc 8 sur 8. BLC Store. Zui. Les gens. Le make-up art. Mauvais fait. Ok. Voilà, donc là, niveau 1. Let's go, niveau 1. Ah ouais, tu m'étonnes que j'allais trop vite tout à l'heure. Donc, le panneau no smoking. La sortie. Moi, je vais d'abord voir lui parce que si je dois faire machine arrière, il faut que je sache très vite. Il est pareil, il a son. Il a tout. Il a tout. Alors, ici, 8 sur 8. 8 Dental Clinic. Il y a beaucoup de chiffres 8. BLC Store. Zui. Ça se trouve, c'est dans les détails, genre. Il manque un chien ou il y a un chien en trop. Enfin bref, ça se trouve, c'est ça. Hein. Make-up artiste. Bah, ça me semble OK. Est-ce que j'aurais loupé un truc? Est-ce que c'est dans Zui? Faut bien que je regarde les chiens, peut-être, hein. Il y en a 5. Avec un petit là. Ah ouais, j'avais pas vu les photos tout à l'heure. Il faut bien bien se rappeler de ça, ouais. Oh, mais comme j'ai pas bien fait gaffe aux photos, putain, ça se trouve. Je suis déjà foutue là. Je suis peut-être déjà foutue. Ah, 2. C'est bon. Là, il y avait rien. Ok. Alors. Alors, le gars. Il a une tête chelou, non? Attendez. Il me regarde. Il me regarde.
c'est chelou, il me regarde. Voilà, 3. Ok. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes bizarre? En fait, lui, c'est un peu comme un sablier. Faut tout de suite aller le voir, je pense. Alors là, c'est ok, il a pas de chaussettes comme d'hab. Est-ce qu'il a un début de calvitie? C'est très important. Il a un début de calvitie. Et il a la mallette et tout. Ok. Alors, 8 Dental Clinic, 8 sur 8. Ça me semble ok. Il y a le panneau no smoking, il y a les trois portes ainsi que les deux grilles d'aération. Il y a le panneau exit. Ok. BLC Store. Ouais, ça me semble ok, ça aussi. Zui. Avec les cinq chiens. Et la gueule du petit chien ici qui est parfaite. Ok. Ce panneau-là, ouais. Je vois pas d'anomalie. Make-up art, ouais. Mauvais fait. Palipico. Bah ouais. Après, j'ai pas retenu les chiffres. Oh, ça se trouve, c'est dans les chiffres. Hein. Alors moi, en plus, j'ai un problème de... Je sais pas comment ça s'appelle, la dyslexie, mais pour les chiffres. Quand il y a des chiffres, je comprends plus rien. Cofévé, oui, c'est vrai que ça fait très cofévé. 4. Oh! Ouh, on s'approche, on s'approche. Dyscalculie, ouais, c'est peut-être ça. Hein. Alors, monsieur, je vais tout de suite le voir. Mais je baisse les yeux, parce que si jamais il y a un problème. Alors, monsieur, il a ses chaussures, il a. Bah, il a tout, hein. Pas de chaussettes, la calvitie, la mallette. Tout est bon, monsieur, tout est bon. On dirait. Je me prends un peu comme. Je me prends pour Paper Please, là. Tout est bon, monsieur, vous pouvez circuler. Aid Dental Clinic, oui. With a smile, ouais. BLC Store, oui. Zui. Je vais le dire à chaque fois, je suis obligée. Hein. Avec ses cinq chiens. Les gens contents. Make-up art. Mauvais fait, palipico. Ouais. Security caméra, oui. Bah, ça me semble correct, tout ça. Tout ça me semble correct. Alors, voyons voir tout de suite. Oh, 5! Ouh là 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 là. Alors, monsieur. Vite, je vais aller le voir, sans trop le regarder. Il a son tel, il a pas de chaussettes, il a sa mallette. Il a sa calvitie. Il a tout. Il a tout. Alors. Ouais, il y a des 8 partout. En fait, ce truc, il y a 8 partout. C'est ça qu'il faut se rappeler de ça. BLC Store, oui. Zubi? Oui. Ça aussi, c'est ok. Make-up art, c'est ok. Mauvais fait. Pour le moment, j'ai pas vu d'anomalie dans les posters. Il y a deux trucs, il y a deux portes. L'impression qu'il manque un truc ici, là. Est-ce que c'est pas le exit 8 qui est plus rapproché que d'habitude? 1, 2. 3, 4, 5, non, c'est pareil, hein. Il est entre les deux bouches d'aération. Il est au-dessus du Zui. Ça se trouve, c'est pas ça, mais bon. Moi, je voyais pas de problème là. Oh putain! Merde, je suis revenue au zéro. C'était autre chose du coup, mais j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu ce que c'était. What? Mais c'était hyper dur à voir. Qu'est-ce que c'était? Oh! Vous l'avez vu? Alors franchement, moi j'ai vraiment pas vu du tout, hein.
Vu? Ah ouais, non. Vous l'avez pas vu? Bah ouais, franchement, c'est bizarre, hein. Mauvais fait. Isu. Il y a le petit Isu en bas. Security caméra. Attendez, j'ai perdu un truc. Ah oui, voilà, il me semblait bien. Attendez, je récupère un truc. Je me cogne. Ouais, vu. Ah, tu l'as vu? Oui, je sais, le premier, je peux le passer direct, mais c'est juste, je me rappelle bien de chaque élément pour pouvoir le passer. Bon. J'ai pas vu et pourtant je suis HPI comme toi. Bah ouais, ça m'étonne pas, hein. Je pense que c'était très difficile, hein. Alors. Vu plus flippant. Ah ouais? Alors, vite, on va voir le gars. Est-ce que le gars, il a un truc? Le gars n'a rien. Le gars n'a rien, ok. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bien situé. Les grilles d'aération, les trois portes, le truc rouge, la cam, les deux cams, elles sont là. Et les petites trappes aussi. Ça se trouve, il y a une histoire de trappe, hein. Ça, c'est OK. BLC Store. Zui. Ça, c'est OK. OK. Pour moi, c'est OK. Oui. On est au niveau 1. Alors. Monsieur, je vais tout de suite le voir, monsieur. Sans trop le regarder. Monsieur, il est OK. Il est OK. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, ça se trouve, ça sert à rien, ça. Les trappes. Oui. Là, normalement, il y a une trappe. Oui. On va finir. Oh, c'était quoi ça que j'ai vu? J'ai vu un truc, non? Ou c'était peut-être un bug? Salut, UAE. Les deux portes. Ok. 888 partout. With a smile, ouais. BLC Store. Zui. Make-up art. C'est trop le jeu des 7 différences. Palipico. Mauvais fait. Bah, là pour moi c'est ok, hein. Zui nonobstant, bien sûr. Putain, pour moi c'est ok, mais ça se trouve, genre il manque un truc que j'ai pas vu et c'est mort, quoi. Ah, deux, c'est bon. Deux. Donc il y en a deux qui étaient ok là, hein. C'est sûr que là il y a une anomalie, hein. Monsieur, venez me voir tout de suite, monsieur. Venez me voir, monsieur. Il passe, il s'en fout. Il a sa mallette, son tel. Il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Un, deux, trois, quatre, cinq. La trappe. No smoking. Les deux trappes, les deux cams. Les grilles d'aération, les trois portes, tout ça est OK. Tout ça est OK. Il n'y a que des zèbres ici, bien entendu, évidemment. L'acteur est dans son rôle, c'est clair. Donc il y a des 8 partout. BLC Store. Zui. Je crois que ça me fera jamais ne pas rire. Ouais. Make-up art.
Mauvais fait, Palipico, Security. Putain, j'ai peur parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a pas de soucis là. C'est étrange, non? Concours. Ah merde, j'aurais dû regarder ça aussi. Est-ce que c'est concours ou pas? Merde. Comment ça, vu? Ça se trouve, c'est une histoire aussi de il faut qu'il y ait les poignées de porte. Elle était comme ça, la poignée de porte? Attendez pour l'indice, mais peut-être je vais demander, ouais. J'avoue que si vous dites vu, ça spoil. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, oui. No smoking. Les deux grilles, les trois portes. Ah putain. Là, il y a les trappes, il y a les cams. Qu'est-ce que j'ai vu? Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un truc que j'ai pas vu, que j'ai comment, que c'était une anomalie et que j'étais en train de la voir? Quoi? Le vu était faux, je suis restée trop longtemps? Bah non, parce que là je suis toujours au niveau 3. Ah oui, ça faisait peur, hein. Ah putain, ça faisait super peur. Bah, il y avait un truc, parce que c'est bizarre que ça ait fait ça. Alors, monsieur. Monsieur est OK. Non, mais je pense que c'est un truc que j'ai regardé trop longtemps. Je suis sûre et certaine que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Le panneau, les deux grilles, les trappes là-bas. Non, non, je pense pas que j'ai pris trop de temps. Mon avis, c'est quand j'ai regardé le truc trop longtemps. 8 sur 8. BLC Store. Ce qui est étrange, c'est que j'ai pu m'en sortir, quoi. Zui. Est-ce qu'elles sont pas plus hautes que d'habitude? Bah, pourquoi ça, tout me semble plus haut que d'habitude? Elles sont plus hautes, hein? Ouais, elles sont plus hautes. Ok, je retourne en arrière. Je suis sûre, parce que d'habitude, elles sont pas à ce niveau-là, hein? Ah bah oui, bah monsieur, qu'est-ce qu'il fout là? Bah en tout cas, c'est bon, je suis au niveau 4. C'était ça, non? C'était qu'elles sont plus hautes. Attendez, bah on va voir tout de suite, hein. Ah oui, bah voilà. Exactement. Eh, gros cerveau ou quoi? Ah, elles étaient même plus grandes que d'habitude. Alors, monsieur. Son-elle, sa mallette, ses non-chaussettes. Concourse. Et plus large, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Les panneaux. Les portes. Les deux portes, ça, les trappes, c'est ok. Bon, tout ça est ok. Hein. Comment ça, c'est tiré d'une histoire vraie? Alors, 888, BLC Store, Zui. Ok, Make-up Art. Mauvais fait. Security Camera. Bah pour moi c'est ok là. Hein. J'ai peur maintenant. Mais pour moi c'est ok. C'est un type qui s'est perdu dans le métro japonais. L'histoire réelle de Sunzui. C'est pas vrai. Mais non.
Moi, je trouve que c'est ok là tout ça. Sensui, non mais c'est vrai ce truc? Yes, 5. Non. Ok, je suis très crédule. Alors. Monsieur. Monsieur. Est-ce que vous êtes normal, monsieur? Répondez-moi. Vous êtes normal ou pas? Monsieur, en tout cas, il a l'air normal. Il est comme d'habitude. J'ai googlé aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Exit 8. Les deux portes, les deux trappes. Et toutes les petites trappes bien réparties. Là aussi, celle-là. With a smile, 8 sur 8. Oh! Vous avez vu ou pas? Ah, oh, ça faisait flipper ça! J'aime pas ça, ça j'aime pas. Eh, hey, on est au niveau 6, je crois qu'on n'a jamais été aussi loin. Vous avez pas vu? Le dessin sur l'affiche, il était horrible en fait. Le dessin, il avait des yeux cauchemardesques. Ça, par contre, je m'en rappelle, hein. Alors, monsieur. Monsieur, sa mallette, son téléphone, son début de calvitie et ses chaussettes invisibles. Tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5. Les trappes. Il y en a une. Il y a les deux autres là-bas, les deux cams, les trois portes. Ok. Ah, mais ce jeu en VR, j'avoue, chaud. Hein. Donc, 8 sur 8, BLC Store. C'est lui là qui était pas bien. Putain, là, les affiches, je les trouve petites. Ou alors c'est moi? Ah, putain, j'avoue que là, je sais pas si c'est moi ou pas. Zui. Ouais, ça c'est ok. Salut à John, bienvenue. Make-up art, ok. Palipico, ok. Security. Cam. Putain, les affiches. J'ai l'impression qu'elles sont trop petites. Ah là là, j'arrive pas à savoir. Je crois qu'elles sont trop petites, hein. Bon. Peut-être c'est pas ça du tout, hein. Ah merde. Ah bah non, du coup, c'était pas ça. Oh, non! Je suis repartie du début? Ah non, je suis repartie du début. Non! Ah non! Oh, j'étais niveau 6. Bon, c'est pas grave. Là au moins je sais qu'elles sont comme ça. Putain, il n'y avait pas d'anomalie quoi, j'aurais été niveau 7. C'est pas grave. On perd pas espoir. Salut Pink Lady. On perd pas espoir, vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors. Oh là 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 là. Ça c'était le cosplay, de mur. Voilà, tout simplement. Donc ça on sait, on n'y va pas. Il m'a foncé dessus la dernière fois. Bon. Alors. Maintenant. Monsieur. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Est-ce qu'il a un problème? Je le regarde pas trop, on sait jamais. Alors, il a son tel. Comme d'hab, non, il a tout. Il a la bonne taille, il a tout. Ok. Ok. Mais je suis déjà allée le voir, le cosplay mur, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Les trappes. Les trappes là-bas. Les portes. Le panneau. Alors, ça maintenant. BLC Store.
Zui. Les gens. Make-up art. Beauvais fait. Je crois que tout va bien. Concourse. Tout va bien. L'autre panneau est là. Zui. 3. Ok, super. Alors. J'ai dit mauvais fait. C'est mauvais fait le nom du... Je parlais du... de l'affiche. Alors, monsieur. Monsieur, il est ok. Monsieur, il est comme d'habitude. Hein. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Le panneau. Les trois portes, les deux trappes. Le panneau smoking. Tout est là. 8 sur 8. BLC Store. Zui. Make-up art. Mauvais fait. Pour moi, c'est ok. J'ai peur. J'ai peur. Security caméra. Non, mais c'est bon, là. Y a rien, en vrai. C'est ok, hein. Moi, je dis, faut pas être trop parano non plus, hein. Là, tout va bien. Ah, putain. Y avait quoi, sérieux? Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il y avait? J'ai rien vu, moi. Vous l'aviez vu? Un blème d'heure? Mais non. Ça va jusque là, genre faut retenir les heures sur les panneaux? Mais non. Faut regarder genre 9h, 13h, 14h30, 18h30, faut regarder jusque là quoi. Et même ça? Non. Ah bah voilà. Mais enfin! Mais ça va pas, non? C'est totalement Shining, ça! Bah alors? Ah, mais en fait, il y a des rêves Shining partout, parce que déjà, il y avait les deux... Il y avait les deux costumes men, là. Salary men. Qui se tenaient la main, quasiment. Comme les petites jumelles de Shining. 1, 2, 3, 4, 5... Putain, mais chaud, quoi! Ah oui, j'avoue, après, tu prends plus jamais le métro, hein. Alors, les panneaux sont bons, les trappes en haut sont bien, exit 8, no smoking. BLC Store, Zui. Pas de backseat, hein, ouais, pas de backseat s'il vous plaît. Make-up art. Mauvais fait. Isu, Palipico. Les caméras. Putain, le bruit, ça m'a choqué, quoi. Un jour, j'ai fait une paralysie du sommeil. Vous savez, le truc où on se retrouve paralysé dans son lit. Et parfois, il y a des hallucinations auditives ou visuelles. Il y a beaucoup de gens qui voient des formes humanoïdes et tout. Et moi, en fait, j'ai entendu un bruit comme ça. Et j'ai eu une hallucination de mon plafond qui s'écroulait sous une inondation. Et franchement, c'était ce bruit-là. C'était horrible. Je me suis réveillée, bien sûr, en sursaut. Énorme bad, ouais. En plus, j'habitais sous les toits à ce moment-là et je pensais vraiment que le plafond s'était écroulé.
Bon, là, je trouve qu'il n'y a rien. J'ai vu un homme traverser ma porte de ma chambre et rentrer dans le mur. C'est horrible, hein, franchement, les hallucinations. En plus, on a l'impression que c'est réel. Yes, deux. C'est vraiment ça qui est dur, on a vraiment l'impression que c'est réel. Alors. Monsieur. Déjà, monsieur. Plus important, déjà. Venez voir, monsieur, que je vous observe. Oh là 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 là! Vous avez vu ou pas? Ouais, c'était horrible. Vous avez vu? Ah, la belle affiche cosy, ouais. C'était un fantôme qui était enfermé dans une affiche ou quoi là? Ah, c'était horrible. Je regardais pas. Bah, c'était une affiche avec une meuf en gros plan qui avait l'air pas très vivante et qui avait des yeux noirs. C'était le mauvais fait. Bah ouais, c'est ça, hein. Alors, monsieur, venez voir que je vous observe. Venez donc par ici, monsieur. Oui, c'était à la place du mauvais fait.